Bonjour, dans cette vidéo de présentation, nous allons apprendre à utiliser les différents outils de la plateforme VeraOne. Partie 1. Paramétrage du compte. Sur la page d'accueil de VeraOne, vous pouvez cliquer sur le bouton Sign Up pour créer votre compte. Après avoir rempli votre adresse email, un code de validation va y être envoyé. Une fois votre adresse confirmée, vous pourrez accéder à votre tableau de bord pour remplir vos informations personnelles. Ensuite, complétez votre profil avec le formulaire d'informations personnelles et téléchargez les documents qui attestent de votre identité. Après envoi, attendez que nos administrateurs valident ces informations pour vous donner un accès complet à votre compte. Faites bien attention à remplir tous les champs, autrement, votre compte ne pourra pas être validé. Partie 2. Le tableau de bord. Le tableau de bord est l'endroit où vous pouvez gérer vos paramètres de compte, de portefeuille, ainsi qu'acheter et vendre des VRO. Prenez la liberté de vous balader dessus pour découvrir chaque aspect de celui-ci et vous familiariser avec. Ici, vous pouvez gérer vos paramètres de compte. Ici, vous pouvez déposer et retirer des VRO. Attention, cette interface ne concerne que les VRO. Ici, vous pouvez acheter et vendre des VRO. Partie 3, acheter et vendre. Nous voilà maintenant sur l'onglet Buy Sell. Cet onglet permet de trader des VRO contre du BTC ou de l'ETH. Ici, vous pouvez sélectionner la crypto avec laquelle vous voulez échanger du VRO. Ici, vous pouvez voir la valeur d'un VRO en fonction de la monnaie sélectionnée. Ici, vous pouvez initier un achat ou une vente. Ici, vous pouvez retrouver toutes les transactions précédentes. En jaune, les créées, en vert, les complétées, et en rouge, celles annulées. Essayons la partie acheter en cliquant sur le bouton Buy. Entrez le montant de ETH VRO pour générer une approximation de la transaction finale. Et cliquez sur le bouton Ready to buy for X ETH BTC. Copiez l'adresse donnée par l'onglet et collez-la sur l'onglet Envoi de votre portefeuille de crypto-monnaie. Depuis votre portefeuille personnel sur un autre site, envoyez le montant ou utilisez MetaMask. Cliquez sur I've sent X ETH. Maintenant, essayons la partie vendre en cliquant sur le bouton Sell. Choisissez la destination de votre vente. Sélectionnez le montant que vous voulez vendre, celui-ci peut être en VRO ou dans la crypto que vous avez sélectionné précédemment. Enfin, cliquez sur Sell X VRO et la transaction s'enclenchera. Partie 4, VRO Wallet. Nous voici dans l'onglet VRO Wallet de votre tableau de bord. Celui-ci est exclusivement dédié aux VRO, les autres crypto-monnaies n'ont pas leur place ici. Ici, vous pouvez voir le solde de votre compte. Ici, vous pouvez choisir de retirer ou de déposer uniquement vos VRO. Ici, vous pouvez trouver vos opérations de dépôt et de retrait. En jaune, les créer, en vert, les compléter, et en rouge, celles annulées. Maintenant, essayons la fonction Retirer en cliquant sur le bouton Withdraw de votre espace VRO Wallet. Attention, veuillez vérifier au préalable si le site qui héberge l'adresse à laquelle vous allez envoyer vos VRO a listé le token. Entrez l'adresse où vous allez envoyer vos VRO. Entrez le montant que vous voulez retirer. Cliquez sur le bouton Withdraw X VRO. Maintenant, essayons la fonction Dépôt en cliquant sur le bouton Deposit de votre espace VRO Wallet. Attention, l'adresse de dépôt donnée est uniquement pour les VRO. Si vous envoyez une autre crypto-monnaie, vous ne serez plus en mesure de l'utiliser. Copiez l'adresse ou scannez le QR code. Envoyez les VRO à l'adresse copiée.